Parce que le Scopus veut dire chirurgie avant de freiner. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a effectué une visite de courtoisie dans les locaux de la polyclinique Saint-Christophe de Mvogada dans le 5e arrondissement de Yaoundé. À son arrivée, il est reçu par le promoteur de cette polyclinique de référence, Joël Kouemo, accompagné de son staff. À travers une visite guidée, le promoteur présente à Samuel Eto'o les différents services qu'offre sa structure sanitaire. De la salle d'attente à la salle de consultation, en passant par les différents services bucco-dentaires, des services tels que ophtalmologie, gynécologie obstétrique, laboratoire, chirurgie plastique et bien d'autres services dus de cette polyclinique. Samuel Eto'o se sent émerveillé par le cadre agréable et les équipements de dernière génération que possède la dite structure. Une attention particulière est également portée sur le bloc opératoire, équipé d'un plateau technique aux standards internationaux pouvant recevoir des opérations ouvertes ou avec stéréoscopie. La stéréoscopie veut dire chirurgie avant de faire. On peut opérer si vous avez une table opératoire de multifonction. Parce que dans les deux solutions, le chirurgie s'appelle la gauche, la droite, on va mettre ses arrières. Le temps de prendre la femme amenée dans un autre institut, on peut entendre. Raison pour laquelle nous avons besoin d'ouverture de la femme d'avoir. Le directeur de la polyclinique exprime sa satisfaction. Le gars neuf, comme on l'appelle souvent, on ne le voit pas chaque jour. Donc il nous a rendu visite aujourd'hui. Ça montre aussi son implication sur l'amélioration de la qualité de vie. Beaucoup de fierté et d'honneur pour la polyclinique Saint-Christophe de Yaoundé. Après cette étape, la suite de la visite avec le staff s'est faite à huis clos dans le bureau du président directeur général. Notamment, continuer avec les discussions avec la fédération, n'est-ce pas, pour trouver des voies et moyens de collaboration entre nos deux structures. Sans manquer d'exprimer sa satisfaction, Samuel Eto'o va féliciter le promoteur pour cette belle initiative qui a pour le but de promouvoir la santé universelle, sans oublier d'encourager la jeune équipe dynamique qui accompagne le dit projet. C'est sur de nombreux regards que va s'achever la visite de Samuel Eto'o à la polyclinique Saint-Christophe de Mvogada. Chers abonnés de la chaîne YouTube David 237, si vous avez aimé nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, si vous êtes nouveau sur la chaîne et nous laisser en commentaire pour une prochaine sortie, j'espère que cette vidéo vous a édifié, je vous remercie de nous m'avoir accordé de votre temps. Vous êtes un auto-entrepreneur, vous opérez en France ou ailleurs, vous dirigez une PMI, une PME, une SARL ou même une grosse société anonyme, le couple Essomba vous invite à nous rejoindre pour participer à la deuxième édition de la Nuit des Entrepreneurs le samedi 12 août 2023 à partir de 19h dans les salons feutrés du 9 avenue Hoche à Paris avec plus de 350 entrepreneurs attendus au programme réseautage, networking, conférences, défilés de mode, le tout couronné par une méga soirée dansante jusqu'à 6h du matin avec plusieurs artistes invités. Bonjour les amis. Bonjour les amis, bonjour à tous. C'est CH Love Coach. Donc là, c'est coach en développement personnel et je suis coach en séduction et en image. Bon, bonjour les amis, nous sommes là pour vous accueillir et vous présenter globalement une partie de nos équipes. Nous avons Christelle et Euphrate de Hermanos, donc Christelle Hermanos Love Coach. Nous sommes là pour vous accompagner pour votre vie affective, pour votre vie amoureuse et aussi surtout, avant tout, pouvoir vous retrouver. Et pouvoir trouver le bonheur. Et pouvoir être heureux. Et pourquoi pas trouver l'homme de votre vie. Ou la femme de votre vie. Les amis, ce qui est intéressant, nous avons une approche globale. Une approche globale qui vous permet de vous retrouver en ayant confiance en vous. Et de sortir de tout ce qui est friend zone. Ou de sortir de tout ce qui est relation toxique. Ou de relation ou des ruptures affectives. Tout ça, ça va être le passé. Vous allez tourner la page vers quelque chose de plus radieux, de plus positif. Nous sommes là pour vous accompagner. Ensemble,
On va y arriver et vous retrouverez le sourire et le bonheur. Et le bonheur. Sur ce, si vous voulez avoir plus de nos vidéos, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, on a Instagram, on a Twitter ou Snapchat. Donc, qui pourra peut-être changer votre vie. À bientôt. À bientôt, les amis.